Ouais. Chut. Sarah en attente, hein. Eh, hey, GG, mmh. Derrière, tu les dégages, hein. Ouais, ouais, non, mais il va se faire, lui. Chut. On va chez Alexandre. Ouais. Allô. Allô. Ouais. Oui, bonjour monsieur, ici la radio qui c'est donc. La quoi? La radio qui c'est donc, vous connaissez cette radio monsieur? Désolé. C'est quoi ce bordel? Est-ce que vous connaissez cette radio monsieur? La radio quoi? La radio qui c'est donc ici à l'appareil? La radio donc quoi? Qui c'est donc? Non. Vous connaissez pas? Pas du tout. Ah, vous écoutez donc pas notre émission la journée donc monsieur? La journée, non. Ah, la journée, vous travaillez, donc c'est vous. Votre travail, ça vous permet pas d'écouter la radio, monsieur. Ah, c'est pas ça, je suis en vacances, mais bon. Ah, ben en vacances, monsieur, on peut écouter la radio quand même. Ah, ouais, tu peux quand même. J'ai d'autres préoccupations. Mais là, j'étais en train de dormir. Bah oui, monsieur, mais vous savez, on n'a pas d'heure pour appeler pour vous faire gagner pas mal de choses, monsieur. Ah, ouais, justement, qu'est-ce que vous proposez? Ben, un petit voyage en Italie, ça vous dirait pas? Ah ben là, on va se mettre pour d'accord. Pour trois personnes. Pour trois personnes, monsieur. Oui. Il suffit que vous répondiez à trois questions différentes. Ouais, et si vous répondez bien aux trois questions, vous partez en Italie. Ah, pas de problème. Alors, je commence par la première. Ah ben, en général. Est-ce que vous avez écouté l'émission de ce matin? Ah non. Ah ben, monsieur, alors la première question, la couleur du café au lait, s'il vous plaît. Marron. Marron, oui monsieur. Deuxième question. Comment appelle-t-on la femme du kangourou? La femelle kangourou. Ah non, la kangourouette. Oh merde. Ah oui monsieur. Alors la dernière question. Ouais. En quelle année est mort Michel Polnareff? 1180. Ah, mais monsieur, attention, il vous reste plus que 2 secondes. 1981. Ah non, monsieur. Oh, c'est chier. Désolé. Oh là là, mais plus j'ai pas d'autres questions. Ah non, j'en ai plus de questions, monsieur. Oh, mais ce serait cool. Eh ben oui, monsieur, c'est dommage. Ah, vous m'avez réveillé, je sais pas quelle heure il est, et puis... Ah, ben, attendez, je vais vous dire ça tout de suite à mon top chronomètre, il est exactement 2h du matin. Ah, il est 2h. Vous réveillez à cette heure-ci, en plus, vous avez des questions? Ben oui. Ah non, mais vous pourrez poser des questions plus faciles à 2h du matin. Monsieur, de manière, c'est des questions qu'on pose à tous les candidats comme ça. Ah, ouais. Ben... Dommage pour vous. Ah ouais, dommage. Vraiment dommage. Oh, on va vous envoyer un petit pin, ça, avec une petite carte postale de la radio qui s'y donc. Hein. Une question bonus. Alors, la question bonus, quel est le champion de France de Formule 1 96, hein? Qui sera le champion de France 96 en Formule 1? Démoigné. Ah, peut-être, on ne peut pas dire, parce que c'est un duel entre Démoni et Jacques Villeneuve. Oui, mais à mon avis, c'est Démoni qui va. Ah, mais monsieur, je ne peux pas vous confirmer. Il faudra attendre la fin du championnat de France de Formule 1. Ah, pour que j'aie mon cadeau? Ah oui, monsieur. C'est-à-dire, il vous reste 3 grands prix à attendre. Donc vous aurez votre cadeau que pour Noël. Si vous êtes sage, bien sûr, il faudra écrire au Père Noël. Ouais, ouais. Ah oui. Désolé, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Ah, attends, voilà. Voilà monsieur, donc vous ne quittez pas, on va même vous envoyer un petit pins. Ah ouais, un pins de la radio. Oui, un petit pins de la radio qui suit donc. Ah ouais, c'est cool. Hein? Ne quittez pas, on vous reprend en antenne, hein. Ah ouais, c'est ok, c'est cool. Voilà. Allez, bonsoir monsieur. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Oh, excellent! Pas mal! Eh, dis donc, Gérard, championnat de France de Formule 1, c'est déjà fort ça! Oh, t'as assuré, hein? Assurément. Alors, comment t'as trouvé ça, Sarah? Super! Ah, excellent, hein, il est trop fort dans l'improvisation, ce Gérard. Hein. Ah oui. Et il était pas au courant, lui, hein? Ça fait peur, hein?